Ah ouais? Ouais, il y a de l'ombre. Il y a de l'ombre là? Tu peux me l'enlever? Débouche là? J'essaye, Vas-y, mais. débouche. Non, marche Par pas. contre, toi, t'es un peu en contre-jour. Hein. Ouais, ça va pas là. Ah, comment on peut faire? On va faire l'apéro. Ouais. Et ensuite, je te montre comment on débouche les ombres. Ah ouais, j'achète. On amoindrit les contre-jours. Oh, j'achète. Le traditionnel, mon petit. Oh. Chips, bière. Ça, c'est l'apéro de base. Exactement. S'il y avait un apéro à ne religieux, pas, ça serait Jésus. Ça serait celui-là, ouais, exactement. Une question, mon petit. On dit réflecteur ou déflecteur? Réflecteur? Pourquoi? Réflecteur? Ouais. Déflecteur, c'est de la merde. C'est ça. C'est pour Ouais. l'aérodynamisme. Bon, est-ce que tu vois ce que c'est un réflecteur? Je vois ce que c'est un réflecteur. Tu sais, on voit souvent, par exemple au cinéma, t'as toujours un mec, il porte un gros truc comme ça. Là. Oui, le bouffon là qui sert à rien, ouais. Le bouffon qui C'est sert à un rien. bouffon lui. On appelle ça un bouffon réflexion. Non, mais en vrai, s'il est là, c'est qu'il sert à quelque chose quand même. Ça sert à quelque chose. Du coup, c'est pas un bouffon. Non, c'est pas un bouffon du tout en Ah, fait. pardon pour tous ceux qui font de la réflexion. Réflecter. Oh, ça doit être ça le verbe, j'imagine. Putain, elle est bien fraîche. Alors, parce que c'est avec son uTip qu'on a payé ça. Hein. Vous devriez tous vous inspirer de Laurent. Le réflecteur, ça sert à deux choses. Déboucher les ombres. Quand t'as une ombre, un truc, bah hop, tu l'enlèves. D'accord? Et ça sert aussi à supprimer les contre-jours. T'amoindris un petit peu tout ce qui est contre-jour. D'accord. Quand tu es en situation de lumière un peu difficile, c'est là que ça t'aide. Bah oui. On en a un, nous, de réflecteur? Oh, on en a un, je vais te le montrer. Ouais. Mais d'abord, je vais te dire dans quel cas il faut l'utiliser. Imaginons que tu filmes la montagne qui est devant. Tu te rends compte que sur la montagne, il y a une lumière qui te plaît pas trop. Vous avez une ombre sur un des rochers de la montagne. Tu peux prendre ton réflecteur. Oui. C'est possible. Tu peux essayer comme oui. ça. Mais! Oui. Ça va servir à rien. Oh. Non, à rien du tout. Ça sert. On est mieux comme ça en fait. À réfléchir les trucs au premier plan, tu vois, les sujets, les. Genre toi? Genre moi par exemple, si tu me filmes de là. Ou genre moi si tu me filmes de là. Ouais, si tu me filmes de là. Ah Voilà, ouais. exactement. Je te montre à quoi ça Non, ressemble. non, c'est bon, j'ai compris. Ok. Merci. Au revoir. Oh putain. Il faut bouger un petit peu l'orientation en fonction de la lumière. Il faut essayer quoi. C'est au feeling, hein. C'est au feeling, tu testes, tu vois, changes, tu regardes, gaffe. tiens, la lumière là elle me plaît plus, l'ombre là elle a été enlevée, etc. D'accord. Alors quand tu le fais, tu fais gaffe de ne pas être dans le champ de la cam. Tu peux être dans le pré, ça me dérange pas. Personne ne va comprendre cette vanne. Il faut être supérieurement intelligent. Du coup, ça, est-ce qu'on peut considérer que c'est un mini réflecteur? Je vais essayer de déboucher là. Vas-y, débouche. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Du coup, je mange. Par exemple, toi, tu filmes, t'as un acteur, bah, tu prends un assistant à toi. Ouais. Tu lui dis, hey, s'il te plaît, assistant, tu peux me réflecter? Hop, il te réflecte. Comme ça, toi, tu vois la cam et tu lui dis, tiens, bouge de 190 degrés vers sud-est. Ouais. Ça, c'est bien, ça, d'avoir un assistant. stagiaire ou un assistant qui fait ça. Ouais, en plus, En c'est plus, gratuit. ouais, souvent c'est gratuit parce qu'on abuse tout le temps des gens. Et en plus, quand il t'a saoulé, tu fais, hey, bouge loin, rentre chez ta. Dégage. De là. Donc, ça, voilà, c'était les. Ton cas, ouais. Un réflecteur là-dedans qui tient. Oui. Alors, il existe des plus gros, ouais. Il y a toutes les Existe plus tailles. gros. Il y a même, tu sais, des grands écrans, un peu, on dirait des. Ah ouais, mais c'est chiant. Sur pied, là. Ça irait pas avec le tournage mobile qu'on fait. Non, pas du tout. Limite. Ah, ça joue à rien du tout. Regarde, toi, essaye. Hop, tu vois? Il est rentré. Oh, regarde là-bas. Hop, putain, je l'ai mis. Ah ben voilà, tu vois. Ça rentre bien. Hein? Franchement, ça va, il est petit. Alors, il existe différentes faces avec chacune leur particularité. Argent, doré, noir, blanc. Oh, c'est beau déjà, c'est très beau. Eh ouais, mon gars! Donc là, nous avons, je vais passer rapidement, nous avons une face dorée. Ça produit des tons dorés sur le sujet. D'accord, je peux essayer vite fait? C'est comme Ah, là, eh en ouais, fait. eh, oh, attends, s'il vous plaît. Ouais, ça marche. Là, je sais. Oh! Attends, faut que je monte au Vas-y, mon petit. téléspectateur parce que c'est trop bien. Alors, ça sert à déboucher les ombres et ça réfléchit intensément la lumière. Hein? Ouais. Ils ont pas eu. Et là, ça sent rien. Là, c'est avec. Et là, ça sent rien. Là, c'est avec. C'est l'edge, mais on voit la diff. Hein. On voit la diff. Ah mais oui. ça réfléchit intensément la lumière, sauf que là, la lumière, elle n'est pas intense. Ouais. Alors, donc, dans le noir, par exemple, ça sert à rien. On mettra des autres exemples Oui. quand tu as déjà tourné ailleurs. Tout à fait. Donc, on a la dorée, on a l'argentée. En soi, c'est à peu près Moi, les mêmes. celui-là, je l'adore. Ouais. Et l'autre, il coûte cher. Bon. Le blanc. Ah bon, il n'a pas de prénom. Je viens de vous le dire, juste le blanc. Lui, il donne une lumière un peu plus douce. D'accord.
Regarde là, attends. T'as un côté éclairé, un côté ombre, ouais. Que la lumière vient d'ici. Ouais. Si je fais ça, ouais. Attends. Regarde bien. Là, on voit que. Regarde-moi. Là, on voit qu'il y a de l'ombre sur son côté gauche du visage. Alors que si je fais ça, hop, son visage est éclairé. Alors, petit objet que l'on peut ouvrir une seconde fois. Tu veux pas un petit chip? Oh, un frisbee. Ah, failli faire une connerie. Hein. Donc, de l'autre côté, nous avons. Donc, en fait, tu le renverses comme une chaussette. Hein. Exactement. Et tu le rezipes dans l'autre sens. Et tu le rezipes dans l'autre sens. Et nous avons de l'autre côté. Ouais. Tu mets ta surface solide à l'intérieur. C'est super ingénieux, par contre, comment ça fonctionne. J'aime beaucoup. Nous avons un côté argenté et un côté. Ça doit pas beaucoup faire beaucoup, ça. Alors, le noir, c'est ce qu'on appelle un absorbeur. C'est pour absorber la lumière. Ou si tu veux enlever des reflets indésirables. Exactement. J'adore. L'argent, on l'a dit, l'argent? L'argent, oui, c'est comme le doré, en fait. D'accord. Sauf qu'il donne un ton argenté, ça réfléchit vraiment beaucoup la lumière. D'accord, c'est une lumière moins orangé. Moins orangé que le doré, ouais. D'accord. Mais ça réfléchit plus que le blanc. Le blanc est plus doux. L'argent est plus... plus argenté. Il y avait un papier calque au milieu, ça servait à quoi? Ah, le papier calque? Oui. On voyait là? Oui. C'est ce qu'on appelle un diffuseur. Oh! Pour diffuser la lumière. Oh! Par exemple, ouais, t'as une source qui est trop violente, tu mets ça devant. Ça diffuse, ça fait... Voilà. Il est très très bien ce petit matériel. Oui. Est-ce que tu sais combien il coûte? Aucune idée. Je vais te le dire. Un si petit matériel comme ça? Ouais. Alors, ça doit pas être cher, ça doit être 1€. Non. Moins d'un euro? Non, je sais pas, ça doit être, je dirais, un bon 10,99€. Eh ben exactement. Oh, au pif? 10,99€. Oh, j'ai dit au pif. Hein. C'est exactement ça. Ça démarre à 10,99€ pour le petit, mais voilà. Il existe ensuite plein de modèles selon tes us et coutumes. Exact. Les tailles et tout. Et, après, un modèle comme ça, plus petit, ça commence à faire petit. Hein. On est bien, il faudrait pas plus petit. Ouais, pas plus ça petit. Reste très portable, c'est ça qui est bien. C'est hyper mobile. Et regarde, c'est hyper simple à... Un petit truc de Comeg. Moi, je trouve qu'on le sous-estime, ça, on l'utilise pas assez en tournage, on peut améliorer l'image quand même. Mais parce que c'est contraignant un petit peu, tu sais, faut sortir, faut. Ouais. Puis nous, on tester. Est que deux en tournage, bien souvent, on est que deux. Alors après, si vraiment tu veux te faire un réflecteur, oui. Et que t'as pas envie d'en acheter un. Ah, moi, j'ai pas envie d'en acheter un. Pas en acheter un. Ah, bah non. Par exemple, oui. Imaginons, ouais. Une petite planche ou un bout de carton. Tu peux avoir un réflecteur blanc d'un côté avec des petites feuilles collées dessus. Ah, ouais, des petits cançons que tu voles quelque part à ton travail, par exemple. Exactement. Tu poses dessus. Tu te colles des petits cançons, ça te met un réflecteur blanc. Ah, ouais, intelligent. Hop, double face, petit papier alu. Ah, de l'autre côté. Réflecteur argenté. Hop, et gratuit, pas cher, t'as un réflecteur double face, ouais. Moins bien que celui-là, mais quand même gratuit, quoi. Exactement. Si tu veux un noir, bah, tu prends des feuilles machin, tu mets des coups de marqueur dessus. Tu colories. Ça va être bien chiant. Ouais, ou tu bout de carton, tu mets un t-shirt noir dessus. Un t-shirt noir dessus. C'est important de connaître son existence et d'essayer de l'utiliser. Il faut faire des tests en réalité parce que, à part le professionnel de la lumière qui va te dire, bah si tu le mets là avec ta lumière, ça va faire ce truc là, machin. Ça, c'est vrai, ça. Si t'es pas un professionnel. Ça, c'est vrai, ça. Ça t'a plu, mon petit? Oui. Tu likes, tu commentes, tu dis si toi, t'as déjà utilisé un réflecteur dans ta vie. Et si oui, est-ce que c'était bien ou si c'était nul? Eh ben oui, j'ai déjà utilisé un réflecteur dans ma vie. C'était lors d'un tuto. J'étais avec un copain, on mangeait des chips et de la bière. Est-ce que t'as déjà utilisé un réflecteur? Oui, sur une voiture. C'était une Ford Focus. Et sur lequel on n'avait pas fait le focus. Une Ford Flou, Blur. Ford Blur. Tu partages la vidéo à tous tes amis réflectionneurs. Tu peux mettre un pouce comme ça. Tu peux aller sur le site internet, il y a la newsletter et il y a l'e-book. L'e-book, tu peux apprendre encore plus de choses et connaître toutes les applications, tout le matériel pour faire des vidéos mobiles de qualité. Et supérieure. Et il y a le Utip, on en reparle. Ouais. Non mais Utip, c'est bien, allez-y sur Utip, ça nous soutient. En plus, c'est vite fait. Tu vas une fois par jour, rien qu'une fois par jour, tu mets dans ton favori sur navigateur. Tu regardes juste une pub. Tu peux regarder plus, mais tu regardes juste une. Si tout le monde fait ça. Bah alors là, on peut s'en acheter des réflexions. Ouais. Non, mais surtout qu'on pourra racheter du matériel, faire d'autres présentations, d'autres vidéos et puis faire. Ouais. Bon, j'en ai marre, j'y vais. Allez. En plus, il y a un nouveau film à aller voir. C'est vrai? Ouais. Les Bronzés font du ski 11? Non, je sais pas, ça doit être la Soupe au Chou 4. Ah, merci. Au revoir. Allez.